change dans la situation, mais pourtant le résultat est différent. Pour vous donner juste un micro-exemple, un jour où j'étais débordée, déjà j'avais trop de choses à faire et j'étais un peu saoulée, et je reçois en plus un courrier administratif, un truc qu'il fallait remplir, il fallait que je fasse des tas de démarches pour pouvoir le remplir et tout. J'étais désespérée de recevoir encore ce truc-là, surtout vu le contexte dans lequel ça s'insérait. Et du coup, connaissant tout ce qu'on connaît, il m'a pas fallu beaucoup de temps pour finalement me dire « Attends, c'est pas possible, faut que je change quelque chose, quoi. » J'ai travaillé à changer mon état d'esprit. Et à un moment donné, je suis retournée réouvrir le mail que j'avais laissé en non-lu, qui me stressait bien dans ma liste d'emails et tout, pour réouvrir le document en question. Et là, ça faisait au moins 10 fois que je le lisais, le document, hein, parce qu'à chaque fois, bien stressée, je venais perdre du temps à lire le document. Et là, je réouvre le document et je tombe sur la petite ligne sur la page 5, un truc comme ça, qui dit « Ce document est facultatif. » Et voilà, poubelle, et voilà, c'était résolu. La situation n'a pas changé, c'est juste mon état d'esprit qui a changé, et j'aurais été capable de passer des heures, des jours à remplir ce document alors que c'était facultatif. Et il y a des tas de situations comme ça dans la vie qui arrivent, on se contraint soi-même alors qu'en fait on n'est pas obligé. Donc effectivement, ça fait, c'est juste le résultat de notre façon de penser, etc. On sait que c'est pas si facile de changer des croyances, et c'est justement pour ça qu'on met à disposition un maximum d'informations pour aider et faciliter cette transformation.